Commençons par là. Jetons un rapide coup d'œil en arrière. Que peut-on dire après coup du début de l'analyse? Certes, la colère à ce moment-là vous anime, mais enfin, quelle ignorance! Il s'agit bien là, en effet, d'une passion, et quelle dévorante passion! Non seulement on ne sait pas, oui, on a, c'est vrai, l'idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais sait-on bien de quoi l'on souffre? En tout cas, on ne sait pas ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on veut, où l'on va. Vous ne savez pas surtout quel est votre désir, et plus précisément, quelle est la cause de votre désir. Vous aimeriez bien le savoir. Mais voilà, on s'aperçoit, et cela à force effraie, qu'on ne veut pas savoir. On se défend, on résiste, on regimbe, on se cabre, on rechigne. L'offre de l'analyste est faite pour libérer votre parole. Une brèche s'ouvre dans le mur du langage, mais vous n'en avez pas conscience. Vous saisissez-vous de la perche qui vous est ainsi tendue? Cela vous échappe. C'est plus fort que vous. Vous vous révoltez. Pudeur, amour-propre. La souffrance peut très bien opposer la revendication de l'orgueil. Lacan, en 1948, a donné une note sombre, voire tragique, à l'entrée en analyse, qui contraste, j'y suis pour ma part particulièrement sensible, avec la note comique qu'il a ensuite, en 1967, associée par le biais du mot d'esprit à la fin de l'analyse. Je résume d'une ou deux phrases ce qu'il indiquait alors. Je ne puis accepter la pensée d'être libéré par un autre que moi-même. Car qui es-tu pour ainsi me proposer de prendre en charge ce fardeau qui pèse si lourdement sur mes épaules? N'avait-on pas considéré jusque-là que l'on pourrait en tout état de cause se débrouiller sans sortir seul? Et puis, il ne faut pas se le cacher, l'on s'attendait à un dialogue, à ce dialogue qui, selon Lacan, rompt avec cette intention agressive qui ne cesse de vous traverser et de vous tourmenter. Lacan a même pu dire que c'est le dialogue qui vous guérit de votre agressivité. Or, vous constatez que c'est à un monologue que vous vouez à chaque fois votre parole, avec la perte irrémédiable que cela entraîne, cette perte d'être à laquelle il faut du temps pour s'y faire. C'est ce que Lacan appelle l'expérience du manque à être. Rien de plus désagréable que le soliloque. Il faut le décider, n'est-ce pas, d'arrêter de se parler à soi-même, de ne plus parler à son bonnet, comme cela se dit du côté de chez Molière. Ah, la solitude! Elle est là, certes, à la fin. À la fin, il y a en effet cette solitude d'une jouissance singulière qui est une réponse à votre quête et qui n'est plus ignorée d'elle-même. Mais elle est là aussi dès le début. Il y a alors la solitude d'un désir qui, insaisissable, est une question et qui, en effet, s'interroge sur ce qu'il est. Se retrouver seul à parler peut angoisser. Que dis-je? Que veux-je dire par là? Oserais-je ou n'oserais-je pas dire? Oserais-je m'avancer dans cette nuit obscure où je n'entends que mes propres pas, c'est-à-dire les résonances et les équivoques de cette parole dont à chaque instant j'invente les tours et les détours? L'on est perdu, désorienté, déboussolé. Et l'on est aussi empêché, encombré, entravé dans son élan. S'aventurer de cette manière vers l'inconnu assurément dérange.
Votre confort s'en trouve troublé par un incontournable malaise. N'y a-t-il pas cependant une satisfaction à dire ce que l'on n'a jamais pu dire jusque-là? Mais voilà, il y a ce symptôme qui se met en travers de votre chemin et dont vous voudriez vous débarrasser. C'est du moins ce que vous demandez. Vite, je vous en prie. Il arrive, a pu dire Lacan, que le symptôme soit pour quelqu'un le seul réel. Alors, s'il s'agit dès le départ d'un appel lancé dans l'urgence, il convient de préciser tout de suite que cette urgence insiste du début à la fin de l'analyse. Il y a en particulier cette urgence, tout au long de l'analyse, à rapporter immédiatement à l'analyste. Heureusement qu'il est là pour entendre cela. Quelque chose qui vous a été dit et qui vous a blessé. C'est l'épineux mot qui blesse, dont Jacques Alain Miller a parlé lors d'un récent congrès de l'ANLS. Offense, outrage, rosserie, vacherie ou simple pique, une telle parole qui vous a fait mal si l'on vous a mal parlé reste comme une épine dans votre chair. Vous attendez de l'analyste qu'il vous la retire de votre corps, car la marque de la plaie s'y est inscrite comme au fer rouge. C'est votre insatiable demande d'amour qui réclame cela de lui. La rencontre avec l'analyste, pourtant, ne va pas de soi. Quelquefois, l'on se demande ce que l'on a à lui dire. Sa présence en elle-même dérange. L'analyste est en soi un réel avec lequel l'on a régulièrement, en principe, rendez-vous. Cette rencontre provoque, à n'en pas douter, un réveil. Elle a, si je puis dire, cette valeur-là, car elle réveille, à chaque fois, d'une façon plus ou moins intense, l'accent du traumatisme. L'analyste peut, par exemple, un temps, incarner, même s'il n'en peut mais, un parent traumatique, et comme tel symptomatique. C'est-à-dire, c'est l'exemple qui m'est venu, sans doute pas par hasard, sous la plume, un parent que vous avez longtemps, trop longtemps, eu sur le dos, et qui ne se gênait pas alors que vous étiez, avec votre appétit de vivre, d'aimer et d'apprendre, en pleine course, qui ne se gênait pas pour vous faire des croche-pieds. Il n'empêche. L'analysant s'attache à son analyste, et par là même à son analyse. De toute façon, l'on est engagé résolument dans l'analyse. Rien ne pourrait vous en détourner. L'on a même l'impression, à un moment donné, qu'il n'y a que ça dans sa vie. Que tout tourne autour de ça. Que l'on a envie de parler que de ça. À ses amis, notamment. Ce qui, inévitablement, déçoit, puisque ses amis ne peuvent rien y comprendre, ni entendent rien, eux. Chose étrange, au début de l'analyse, une sorte de rivalité avec l'analyste peut se déclencher. Une rivalité qui d'ailleurs vous agace vous-même. Qui est l'aimé? Qui est l'amant? J'emploie ces termes non pas dans le sens où Rodrigue est l'amant de Chimène et où Valère est celui de Marianne, mais au sens du banquet de Platon. L'Érastès cherche querelle à l'Héroménos. Oui, dans le fond, qui l'a, la Galma? De quel côté le manque se trouve-t-il? L'on peut même venir voir un analyste pour ça. Mais oui, pour savoir lequel des deux est le plus aimable. L'Éros, c'est formidable. Nous brûlons de son ardeur. Mais cela peut aussi virer à la manie de l'Éros. Cela s'appelle l'érotomanie. Je ne dis pas que l'analysant et l'analyse et l'analyste se dispute comme des chiffonniers à propos de la galma, et qu'à cause de cela, il puisse en venir aux mains. Mais enfin, il arrive que l'analyste ait à remettre à sa place son analysant. C'est, si l'on veut, la querelle du sujet supposé savoir. La place de la cause du désir est en effet un enjeu de taille. C'est un enjeu d'ordre épistémique. Ce dont il est question, Socrate le montre du doigt, c'est ce qu'on ne sait pas.
Faut-il à cet égard parler d'une pulsion? La question se pose. Le fait que l'on ne sache pas est un appel à l'amour. Les premiers rêves de transfert en témoignent. Une sorte d'extraordinaire appel d'air se produit alors. D'ailleurs, au début de l'analyse, l'on respire, l'on n'étouffe plus comme auparavant. Certes, l'on peut avoir peur de l'analyste. Il arrive même qu'on le choisisse pour ça. Un sujet féminin a fait part, dans le point du jour, de ce qu'elle était arrivée terrorisée chez l'analyste. Terreur, le mot, n'est-ce pas, est fort. Cela renvoie à une sorte d'abîme. Même si l'on sait qu'il n'est pas là pour vous jeter la pierre, l'on a peur notamment du jugement de l'analyste. L'obstacle que le fantasme fait surgir devant le cheminement contingent de la parole signifie que l'on se heurte à de l'inavouable, primordialement à l'inavouable d'une jouissance. Michel Foucault a dénoncé ce mouvement qui, selon lui, va de l'inavouable à ce qu'il appelle dans la volonté de savoir l'exigence de l'aveu qui prendrait la forme, selon lui, dans la psychanalyse, de la recherche de la levée du refoulement. Gilles Deleuze a ponctué dans ses pourparlers cette dénonciation d'un Foucault d'un « moi je n'ai rien à avouer ». Or on a honte, on se sent coupable. De quoi ou juste? De l'impudence, de ce que l'on n'a pas pu s'empêcher de faire? Du manque de courage que l'on a manifesté dans telle ou telle situation? Mais n'a-t-on pas honte, surtout de ce que l'on n'arrive pas à dire ce qu'il y a précisément à dire? Pourtant, tout au long de ce cheminement, il y a une jouissance dans le récit. L'on aime raconter des histoires. Le transfert, a pu dire Jacques-Alain Miller, c'est cette hystérie-là, l'hystérie de l'historique. Certes, la coupure de la séance vous empêche de vous laisser emporter par ce fâcheux penchant pour le tissage d'un roman. Mais il n'y a pas que le pathique, la souffrance. Il y a aussi l'éthique. Chemin faisant, l'on s'interroge. Est-on lâche, égoïste, hypocrite, avare, en particulier de ses paroles et de ses signes d'amour? Ou est-on au contraire généreux et courageux? Cela dépend. De quoi? De son rapport au désir. Bref, il s'agit alors dans une analyse de parler, d'aller son chemin, car il faut le décider de ne plus garder son être pour soi, de se confier. Pour l'ouvrir, prendre la parole enfin, arracher le bâillon de sa bouche pour dire à quel point le monde est insupportable. Il faut le décider, car la rétention vous en empêche et la réserve mentale, vous poussant à la procrastination, vous en éloigne. Paradoxe, avoir à parler librement, cela peut vous éloigner de vous-même, créer une distance entre vous et vous-même. Cela change quand on parvient à être proche de son inconscient, c'est-à-dire à éprouver le tranchant de son réel. Rêve, lapsus, acte manqué, autant de trébuchements, d'achoppements et de heurts. L'inconscience manifeste de façon contingente et compte les coups. En ce sens, le réel, en effet, est contingent. L'on est essentiellement aux prises, et c'est heureux, avec l'inattendu, l'imprévu, l'inédit. Ça, ce que, à l'instant, on dit, on ne l'avait jamais dit, en tout cas pas comme ça. Le tranchant du réel de l'inconscient est aiguisé par la séance dite courte, c'est-à-dire, a fait remarquer Jacques-Alain Miller, par la séance réduite à l'instant de voir. Il s'est référé à ce propos au fragment 466 des Pensées de Pascal. Je cite juste un morceau de phrase de ce fragment. Il faut tout d'un coup voir la chose d'un seul regard.
La séance réduite à l'instant de voir fait surgir dans la coupure entre les signifiants la cause du désir, ce que Lacan a appelé le plus de jouir. Or, il y a des affinités entre le surgissement du plus de jouir, soudain dévoilé en tant que hors-sens, et le comique. Quand l'interprétation se fait preste, la promptitude de l'intervention de l'analyste provoque chez l'analysant ce que Freud appelle une économie dans la dépense psychique. C'est le principe du mot d'esprit. L'éclair que produit la coupure illumine, c'est là une façon de dire de Lacan, l'en-soi de l'objet petit a. Même si l'intervention de l'analyste vous coupe le souffle, même si ce qu'il vous dit ne vous fait pas plaisir, même si ce qu'il vous a lancé comme ça est dur comme un caillou, une fois sorti de chez lui, il vous arrive d'éclater de rire. C'était donc ça. C'est parce que Lacan a fini par dire en 1976 que le mirage de la vérité n'a pas d'autre terme que la satisfaction qui marque la fin de l'analyse que j'accorde beaucoup d'importance au fait qu'il ait pu également dire cette fois en 1967 que l'insatisfaction est le premier constituant du psychisme. Dans son cours « Choses de finesse en psychanalyse », qui est ici ma référence, Jacques Alain Miller avance que c'est l'insatisfaction qui fait le désir, et que le désir est, puisqu'il est de cette veine-là, celle de l'insatisfaction, que le désir est rebelle par rapport à la norme sociale. Le désir est hors norme, on ne peut pas l'attraper, le prendre et le tenir dans sa main, le classer dans une catégorie, il court, etc., etc. La psychanalyse ne vaut pas comme thérapeutique, mais donne sa valeur au désir. L'accent est ainsi mis sur la cause du désir, et non pas sur l'effet thérapeutique. L'analyste est-il un logicien, est-il un poète? Peut-être, il n'est pas un thérapeute. C'est pourquoi le désir de l'analyste s'oppose au souci du thérapeute. Le Wunsch freudien n'est pas le sorgue heideggerien. Le désir de l'analyste vise à reconnaître la solitude du sujet qui tient à la singularité de son mode d'être au monde. Le jeudi de chaque sujet, dès qu'il ouvre la bouche, comporte, et c'est ce qu'il revendique, un « je ne suis pas comme tout le monde ». C'est en cela qu'il est un rebelle. La singularité du sujet, cela s'entend. C'est une question d'oreille. À cet égard, l'analyste ne peut pas savoir quelles sont pour un sujet les résonances de la parole. Il ne sait pas ce que tel ou tel mot ou telle phrase veulent dire pour le sujet qui lui parle. À l'inverse, quand il prononce un mot ou une phrase, il ne sait pas quel effet cela pourra bien avoir pour le sujet qu'il entend. La partie se joue ainsi entre l'écart freudien, celui qu'il y a entre la demande et le désir, et l'écart lacanien, celui qu'il y a entre le désir et la jouissance. Cette partie se joue dès l'abord au dé. Jamais, cher Mallarmé, un coup de dé n'abolira le hasard, n'est-ce pas? Lacan différencie en effet grand dé la demande et de petit dé le désir. Le désir est présent, dit-il, sous la demande. Le désir est par conséquent à la fois en deçà et au-delà de la demande. Le sujet, en effet, tend vers l'au-delà et demande autre chose. Ce qui est demandé est en tout cas autre chose, précise Lacan, et c'est justement ce qu'il faut arriver à savoir. Le désir de l'analyste met en jeu une opération de coupure qui permet d'aller au-delà des effets thérapeutiques immédiatement obtenus dès le début de l'analyse. Il s'agit de traiter essentiellement une insatisfaction qui est rebelle à la thérapie. Le moyen dont se sert l'analyste est en effet celui de la coupure. Je cite « Le drame du désir se joue sur l'autre scène,
là où le Logos s'y révèle comme le couteau à y faire entrer la différence. Autre chose, autre scène, cela consonne. Coupure, couteau, aussi bien. Conséquence pour l'analysant, et j'aime beaucoup cette indication du docteur Lacan, préparer ce qui sera dit dans la séance est un inconvénient. Car, précise Lacan, ce qui est attendu de la séance, c'est la surprise. Il n'y a pas seulement, comme l'indique Theodor Reich, l'analyste qui puisse être surpris. Il arrive heureusement que l'analysant le soit aussi. Le paradoxe de la psychanalyse est que la mise en lumière du désir en passe par la mise en évidence de l'incidence du traumatisme. L'analysant découvre, par exemple, l'art qui est le sien et qui consiste à se faire à lui-même des prises de judo et des croche-pieds. Voici, par conséquent, l'enseignement que je tire de cette atmosphère paradoxale. Le désir n'est pas le souci. Le souci est un terme qui a été accentué par Heidegger. Michel Foucault l'a repris à son compte à propos de ce qu'il a appelé en 1984 le souci de soi, qui renvoie à l'épiméléia grecque. Michel Foucault s'est expliqué dans un certain nombre d'entretiens parus dans Dits et écrits sur cette notion de souci, souci de soi ou des autres. Le souci de soi est, selon Michel Foucault, qui se réfère là-dessus aux Grecs et aux Romains, éthiquement premier, dit-il, dans la mesure où le rapport à soi est ontologiquement premier. En effet, être préoccupé par l'épiméléia, ce n'est pas la même chose que de l'être par l'agalma. L'éthique du bien-dire n'est pas l'éthique du souci de soi. Il y a par ailleurs une équivoque entre le souci et le soin. Il suffit de penser à cura en latin et à care en anglais. Le care suppose l'urgence d'une demande, c'est son hypothèse. Le soin est ainsi appelé à répondre à une telle urgence. Des journées de l'IPA, qui auront lieu les 26 et 27 novembre, ont choisi, elles, comme titre, « Pratique psychanalytique, deux points, clinique et éthique du soin ». Il y sera donc question du care. L'IPA choisit ainsi de situer la psychanalyse du côté de la thérapeutique. Décidément, de ce point de vue, c'est vraiment ou l'IPA ou l'AMP. L'AMP a choisi le sujet et l'IPA la société. La notion de care, dont Martine Aubry s'est servie lors de son intervention si controversée du 27 avril à la Mutualité, vient en fait d'une professeure en sciences politiques de l'Université de New York, Joan Tronto, qui est à l'origine, je crois, une sociologue et qui a écrit un livre publié en 1993, c'est vieux, sur l'éthique et la politique du care. C'est d'autant plus vieux, j'espère que je ne la diffame pas, que Joan Tronto s'est inspirée en réalité d'une psychologue féministe, Carol Gilligan, qui dès 1982 avait publié un livre intitulé « In a Different Voice ». Le care n'est pas au centre du tracas de l'analyste. Dans son cours « Choses de finesse en psychanalyse », Jacques Alain Miller oppose par conséquent au souci le désir. Le désir est quelque chose qui ne va pas de soi. Il s'agit pour l'analyste de partir à la recherche du désir de l'analysant. Le désir est désir de désir, et c'est cela le ressort du désir de l'analyste. Et c'est cela qui a un effet d'amour. L'on se souvient peut-être, dans cette perspective, du mythe de Lacan, écrit par lui dans un style claudélien, qui tranche avec ce qu'aurait pu être à l'opposé un style voltairien ou stendhalien. Ce mythe étonnant évoque la main qui se tend vers une autre main. Au moment de la rencontre, la bûche s'enflamme. Je lis ce passage dont la tonalité, dans le séminaire sur le transfert, détonne. Cette main se tend vers le fruit, vers la rose, vers la bûche, qui soudain flambe. Son geste d'atteindre, d'attirer, d'attiser, est étroitement solidaire de la maturation du fruit, de la beauté de la fleur, du flamboiement de la bûche. Mais quand, dans ce mouvement d'atteindre, d'attirer, d'attiser, la main a été vers l'objet assez loin,
Si du fruit de la fleur, de la bûche, une autre main sort, qui se tend à la rencontre de la main qui est la vôtre, et qu'à ce moment, c'est votre main qui se fige dans la plénitude à la fois fermée du fruit et ouverte de la fleur, qui se fige donc dans l'explosion d'une main qui flambe, alors ce qui se produit là, c'est l'amour. J'aurais aimé, cela se passait en 1960, entendre Lacan dire cela lui-même. Le désir va à la rencontre du désir, et quand la rencontre se produit, par conséquent, l'amour survient. Il ne faut pas oublier à cet égard que dans sa critique de la psychanalyse, Deleuze n'était absolument pas d'accord avec le fait qu'un sujet puisse en arriver là, à dire « je suis ça ». Je vous renvoie sur ce point à ses pourparlers, dans lesquels il va jusqu'à dire ceci « contre ceux qui pensent « je suis ceci, je suis cela », et qui pensent ainsi encore d'une manière psychanalytique, il faut penser au contraire en termes incertains, improbables et affirmer « décidément, je ne sais pas ce que je suis ». Cette critique de Deleuze révèle, selon moi, un défaut de hardiesse. Une analyse, en effet, met fin à cette incertitude. Le « je viens pour ça » du début de l'analyse peut être dès lors mis en relation avec le « je suis ça » de la fin. Dans l'être et le temps, Heidegger indique que le souci suppose un penchant. En ce qui concerne la psychanalyse, nous savons très bien de quel penchant il est question. Le penchant vers la clinique, qui est, si je puis dire, une culture du souci thérapeutique. Il ne faut pas hésiter à différencier la psychanalyse de la clinique. La clinique, dans sa variété, distingue et traite des types de symptômes. La psychanalyse, quant à elle, a pour horizon, ce n'est pas du tout la même chose, l'incurable du symptôme. C'est pourquoi la psychanalyse comporte en fait une audace qui lui est inhérente. Il faut oser. Le titre d'une pièce de théâtre de François Regnault, jadis, m'avait frappé. Mais il faut tout oser puisque... Je conclus donc sur cette phrase. Mais il faut tout oser puisque le désir est fait pour se rebeller contre le souci.